Alors, qui c'est cette nouvelle invitée là? Ah ah, je vous laisse deviner. Attention, abracadabra, elle est partie. Oh, c'est qui ça? Oh, je m'appelle. Non, ça c'est un lingue. Toi, c'était pas là-dedans. Y'a pas de lingue, ça chambord. Voilà, cravate. Cravate. Cravate, c'est une martre des pins. D'accord. Une stélidée propre à. Sauvage, propre à nos régions, qui est le cousin de la. De la fouine également. D'accord. Que l'on voit très rarement, qui est un petit animal très très vif, qui est le prédateur naturel de l'écureuil. Ah d'accord. Mange des cravates. Et donc il y a une jolie séquence dans le film où un chassé croisé, elle croise la jolie petite comédienne qui interprète le rôle de la petite gitane. Et elle descend de l'arbre. Donc ça a été un vrai travail, ça a été aussi très long, puisque c'est un travail en totale liberté, on travaille sur un point A, point B, et voilà, donc ça c'est un animal que l'on voit jamais au cinéma, vraiment très très rare, et donc tous les animaux, il faut préciser, sont tous les animaux sauvages, et domestiques bien évidemment, mais tous les animaux sauvages, sont tous nés en captivité. Ce ne sont pas des animaux privés dans la nature. Le renard est issu d'un sauvetage, vient d'un sauvetage, il était condamné tout petit. Et les autres sont tous nés en élevage. Voilà, sont tous nés en captivité plutôt. Et donc habitués à fréquenter. Bien sûr, bien sûr. Habitués, préparés, formatés, et après, au fil du temps, on s'aperçoit qu'ils l'adorent. Vraiment des animaux acteurs. De toute façon, un animal sauvage n'est pas fait. Un animal sauvage n'est absolument pas fait pour, génétiquement parlant, pour servir l'homme au même titre qu'un animal domestique. Donc, un animal sauvage à l'image, acteur plutôt, c'est parce que il le veut bien. Voilà. Cravate. Enchantée, cravate. Allez.